pas que du mauvais côté à être gigolo. Fais gaffe à ce que tu dis, Julien. Vous partez pour la France aujourd'hui. Vous séduisez la fille, vous la ramenez ici et vous l'épousez. Quel âge est là? Pauvre con, je demande, je tâche. Oh, mon amour. Qu'est-ce que tu voulais? Une top model? Parce que toi, tu sens le guerlain, grand nief! Arlette, si je vous demandais de m'aider, vous accepteriez? Et vous avez fait que parler? Il t'a même pas embrassé? Même pas mis la main au cul? C'est pas du tout son style. Je suis ici en pèlerinage. Au rendez-vous des mille pattes? Et Arlette, vous ne risquez rien, je suis là! Je sais, mais j'ai le vertige. Je vous ai vu, je sais pas ce qui s'est passé, je vous ai... C'est fou, j'arrive pas à y croire. Tu sais quelle est l'addition jusqu'à maintenant? Pour une serveuse. Oui, qui pèse 500 millions de dollars. Fini le feu d'artifice et la pluie de rose. Au boulot, je te vire. Elle s'en fiche, elle va se marier avec l'Américain. C'est qui ce blondinelle? Arlette part avec moi à Las Vegas. Là, tu vas pas te marier avec cet avorton? Tu pourras être sa mère. Tu aurais peut-être dû prendre un truc plus discret, non? Non, pas du tout, c'est super. Tu devrais sauter, vite fait. Mais enfin, c'est pas un gigolo. C'est mon fiancé, Franck. Tu pensais pas qu'on allait se marier? La seule vraie question, c'est tu m'aimes ou tu m'aimes pas?